tout est en train de tomber. Waouh ! Non ! Aujourd'hui, nous allons fabriquer un château en carton. Voilà. Vous avez cru, il était plus grand que nous ? Non. Voilà. Bon, bien évidemment, cette vidéo est sponsorisée par Mabit. Bon, les gars. Le carton qu'on aura pour faire la maison. Pour cette petite vidéo, je nous ai acheté des... cutters. Cutters, j'aime pas les gens qui disent cutters, mais c'est vrai que ça se dit comme ça. Cutter. Le grand cutter pour le plus grand. Bon, ce qu'on va faire. Non, sérieux, ça commence à me saouler là. Par contre, commençons-nous. Moi, ce que je veux, absolument, je tiens à ma porte comme dans les châteaux là, ronde comme ça là. Et après, on va la tirer. Genre, le pont-levis. Voilà. Voilà, gars, je suis... tu peux arrêter de m'arracher les mots. Qui est allé à l'école. Non, mais ouais, j'allais le dire en plus. C'est un culte. Deux tours et un truc qui est rouge au milieu. Mais oui, bonjour, je m'appelle Jean-Yves de la Fakri. J'ai bien compris. En gros, il y a une tour à gauche. Tu sais, même ça fait un triangle au-dessus là. C'est quoi un chat qui saute dans l'eau? Une tour à gauche, une tour à droite, et au milieu, ça va être plus petit, ça va être tout droit. Ah. J'ai pas compris. Allez, c'est bon. Stop. Hop. Toi, t'es chargé de fermer ta gueule. Ça, c'est vraiment, ça va être le devant de la tour. S'il vous plaît, arrête d'être con. Et justement, pour faire ça, on va prendre une palette. Bon, du coup, regardez, on va prendre cette palette, on va la mettre par terre. En gros, là, du coup, il y aura le devant. Ça va être cette partie-là, vous voyez à l'écran. Après, il y aura le milieu, ici. Et après, il y aura la même partie, mais à droite. Et vous aurez peut-être besoin de ça, bande de narvalos. Ouais. Pas dit l'espoir, oh, putain, ma caisse, ma bagnole, ma bagnole. Remake, tu veux sortir la voiture, ma bagnole, tu veux sortir ma bagnole. Attends, regarde, c'est rien. Putain, je me rappelle plus comment on fait un triangle déjà. Là, du coup, il y aura ça au-dessus de la tour. Eh, hey, ça, on va le peindre en or. Bac pro menuiserie ou pas? Bac pro menuiserie, à tous les profs menuiserie qui ont pas cru en moi. Pourquoi vous mettez de la musique? Ça fait bader, wesh. On dirait qu'il y a un esprit là-bas. C'est mon réveil, c'est mon réveil, wesh. Bon, le scotch c'est pas comme ça. D'abord mets-le là, en hauteur. C'est quoi, je voulais comment il doit grave me juger, c'est un truc. Qui ça? Il doit prendre pour un débile. Ça fait un triangle ou pas? Bah disons que t'aurais pu mieux faire. J'en ai marre toujours, ils disaient ça à l'école, peut mieux faire. Oui, s'il te plaît, tu peux me rendre un service? Dis-moi. Tends ta gueule. Bon, je pense que là c'est la grosse galère. On doit faire un petit pas en avant, parce que là je trouve que la galère par là-bas, la galère par ici, et la galère dans ma tête. Donc on se retrouve tout de suite pour... vous allez voir, là il y aura un avancement de dingue. Bon bah voilà, c'est un grand avancé. Toi t'as pas avancé. Non mais si, ça avance. Non, 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 plaque, plaque le truc contre moi, plaque. J'ai dit plaque moi. Non, plaque, voilà. Oh, tu t'es fait rire tout seul, c'est en vidéo. Quoi, tu t'es fait rire tout seul? Non, je fais des épées aussi, vu qu'on va avoir un château, après on fait un combat. Ouais. Ça va être trop marrant. Venez les gars, venez, on se combat au cutter. Bah non, du coup on peut mourir. Tu sais, au lieu de l'ouvrir ta petite gueule, tu pourrais aussi m'aider, enculé. Voilà, du coup là, nous avons du coup le haut de la tour. Et, bah, attends, je vais faire la même chose, mais pour l'autre tour du coup. Et là, tout de suite, attention, deuxième. Ah. Il a voulu s'insérer dans moi comme une carte bleue, café. Oh, je vais t'enculer, bâtard. Hey, tu vas enculer qui, toi, petite bite? Mais tiens, déjà. T'imagines si tu me ratais pas. Ferme ta gueule, tu m'as cassé les couilles. C'était con, quoi. J'ai cru que t'aimes ta... Voilà. J'aime bien quand tu me proposes ça. Franchement, ça avance. Bon, finalement, on va pas faire de grand rond au milieu là, qui s'appelle un. Pont-levis. Parce que déjà, regardez juste l'épaisseur qu'il y a, je ne peux même pas rentrer. Eh, franchement, pour l'instant, ça a de la gueule. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre le triangle là-haut. C'est pas un peu de la merde? J'ai une idée. Regardez, on met une double couche, mais un debout, et après, on l'accroche au truc debout. Ah, mais oui, ça va tenir en plus. Bah oui, je suis trop intelligent, n'est-ce pas, dis-donc. On va tester, mais je pense pas que c'est de la merde. Ah putain, t'es un bâtard. Les deux, on va les pendre. Non, regardez comment ça va être beau. C'est à chier, on est d'accord. Ah si, c'est bon. Et on va faire juste la façade, hein, ce qu'on voit. Hein. Ouais, c'est carré, mais... Une fois que tu fais un truc de propre dans ta vie, comme t'as pas eu lieu de le faire à chaque fois. C'est pas du plaqué or, là, mec. C'est pas du plaqué or. Oh, ça va, compris. C'est ce qu'on appelle le rire silencieux. Bon, nous avons posé là-haut le cône. Non, c'est pas un cône. Bon, l'esthétique, hein, on verra pas l'arrière de toute façon dans tous les cas. Là, on va fermer. On va faire pareil de l'autre côté du coup, et après on pourra faire la porte au milieu. Et tout ça, vous en pensez quoi pour l'instant?
T'as quand même touché la main, toi. Qui a fait le con? Qui a fait le con? Allez, let's go. Du coup, on va faire les petites fenêtres. Par contre, fais gaffe, je peux mettre un coup de cutter à n'importe qui derrière. Hein. Oh, mais je suis en train de faire. Par contre, fais le but, fais les vieux. Oh! Stylé. Oh non! Yeah. Non, mais par contre, fais le but, fais les vieux. Alors. Donc bah voilà, moi j'ai une vraie fenêtre. Voilà par contre c'est pas... Voilà par contre... Ça c'est quand j'arrive dans ta vie. Franchement pour l'instant ça a de la gueule, vous en pensez quoi? Je vous avais appelé un artiste, je suis graveur professionnel, c'est parti sur mon travail. Oh, wow. J'ai eu peur, ouais, c'est indiqué. On l'appelle comment le château? Ouais. Vas-y, box. Ça va, c'est bien l'odeur? Non, l'odeur elle est horrible. Non, ouais, merde, putain, pour toi. Je fais grave attention à pas vous en mettre. Bon, les gars, du coup, là, comme vous voyez, on est en train de fermer l'arrière. Pour le. Ouais. On dirait vraiment un décor de cinéma. Genre, l'avant il est beau, mais l'arrière. Mec, j'ai pas besoin de toi. Non! Ça m'a trop bien d'un peu collé. Merde. Et hier, quand je te dis, viens, on va faire un château en carton, quelle était ta première impression de mon idée? Sincèrement, en étant transparent avec moi. Je me suis dit, lourd l'idée. Ah putain, waouh! Moi, je me suis dit, à n'importe quelle idée qu'il propose, je me suis dit, pourquoi pas me proposer? Oh, ah, wow. Pas mal! Le mec, c'est un Mozart, quoi. Waouh! Il y a deux qui tombent. Non. Moi, j'ai un tsunami derrière ou quoi? Oh là. Et voilà. C'est archi moche, enlève ça! Tout est en train de tomber. Vous pensez que quelqu'un peut vivre là-dedans ou pas? Mettez-nous dans les commentaires une note sur 5. Monsieur Xarabia, ça c'est pour vous. Faites-vous plaisir. Enjoy. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que tu veux? J'ai reçu une invitation. Ah, bon. Ça vous dérange pas si je vlog? T'as beaucoup d'abonnés? Franchement, Bah, allez, tu sais quoi, je m'en fous. Ouais, bah, les couilles, allez. Vas-y. Ok, on entre. Dépêche-toi, décide un petit con. Wow. Attends. Oh. Laissez-moi, monsieur, j'ai peut-être trop de force dans les bras. Non. Et crois pas, c'est une invitation pour la personne. Même pas à ta mère. Allez, viens, dépêche-toi. Viens, je te présente le château. On dépêche-toi. Voilà le château. Waouh. Il est un... Je m'attendais à autre chose. C'est bon, on peut le laisser passer. C'est bon. Allez, rentre. C'est un peu petit, non? Voilà. Je peux visiter l'intérieur du château. C'est... Tu sais, quand je disais combien de mètres carrés, je parlais pas de mètres carrés à l'unité. Écoute... Oh, sa mère! Oh, tu me rigoles pas la gueule! Sors. Allez, dégage de mon château! Gros, je respecte mon château un peu là. Mais c'est de la merde ton truc, oh. Putain. Oh, j'avoue. Non. Aidez-moi. C'est ça ta boxe. C'est ça ta boxe. On a tout cassé en moins de 2 secondes, on a fait combien de temps mec? On a mis peut-être 2 heures là même. Au moins. Putain. Oh putain, c'était le moment, le meilleur moment de la vidéo. Les gars par contre j'ai un rendez-vous donc je vous laisse tout nettoyer. Ah ouais. C'est ça ouais. C'est ça ouais. Bon bah voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce château? Franchement moi je le trouve pas mal, il était pas fou. T'en as pensé quoi sur 10? Franchement j'ai adoré le faire.
10 sur 10, mec. Vous avez niqué mon château, maintenant vous allez assumer les gars. Le mec il continue son rôle jusqu'au bout. On va payer les conséquences. Abonnez-vous à Seiya, abonnez-vous à Will sur Insta et tout ça. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quelle construction vous voulez voir en carton ou autre chose. Franchement, j'ai adoré faire cette vidéo, c'était cool. Et abonnez-vous à la chaîne, c'est plus important. Bisous, ciao tout le monde. Bisous.